Nadia Comaneci représentait un petit peu pour moi une sorte de... C'est comme un résumé de tous les thèmes qui m'ont passionnée dans les romans précédents. Le corps féminin, le mouvement. Avant, j'avais beaucoup parlé de danse. Et aussi la confrontation Est-Ouest des deux systèmes qui m'intéressent, puisque moi, j'ai vécu la première partie de ma vie en Roumanie et en Bulgarie. Et finalement, je connaissais d'elle, je pense que ce que tout le monde connaît plus ou moins. Et ça a commencé par 6 mois de recherche assez intensive. Et au fur et à mesure, en fait, je me suis rendu compte d'un truc qui m'a passionnée. C'est que elle est vraiment comme une sorte de, son destin en tout cas, est vraiment une extrapolation du destin, enfin, du destin féminin, c'est-à-dire qu'elle est notée en permanence, elle est jugée, elle est pesée, elle est mesurée, elle est scrutée. Et finalement, à beaucoup de moments, je décrivais des scènes et je me disais, mais en fait, ça je connais, quoi. Elle a, évidemment, elle a ses règles devant le monde entier. On commente sa poitrine devant le monde entier. On la pointe du doigt, elle n'est jamais assez bien, ou alors elle est extraordinaire, mais elle est petite quand elle est extraordinaire. Donc c'est aussi le sujet, mon sujet vraiment, le sujet de ce livre finalement, c'est à partir d'une phrase que j'ai trouvée dans un quotidien français, et qui était au moment où elle a eu 17 ans, donc elle n'était plus une petite fille. La petite fille s'est muée en femme, et la magie est tombée, verdict, la magie est tombée. Je me suis principalement intéressée à ce mot, verdict, et puis la magie, de quelle magie on parle, pourquoi cette violence contre le corps féminin devenu adulte, de quoi on nous parle en fait, de quoi nous parlent ces hommes, parce que les commentateurs sportifs étaient tous des hommes à l'époque. C'était aussi très très bouleversant de voir son image à Montréal, où elle a finalement 14 ans, elle a l'air d'en avoir 10, parce qu'elle est très pâle, pas maquillée, et pour moi c'était... très touchant de voir une des dernières images d'une idole adolescente qui est une petite fille en fait et qui n'est pas super sexualisée comme le sont maintenant les icônes adolescentes. Il y a quelque chose de bouleversant, presque d'angélique, presque de religieux d'ailleurs, une icône un peu de travail, de pureté, de perfection. Il y a quelque chose là-dedans où elle est presque en dehors des deux genres. Elle est pas un petit garçon évidemment. Elle n'est pas une jeune fille, elle est vraiment en dehors de tout. Et c'est quelque chose qui me touche beaucoup. La grande différence entre écrire des chansons et écrire des romans, c'est évidemment la longueur du travail, parce que pour moi, partir sur un projet de roman, c'est un marathon. Donc au moment où je suis sûre d'un sujet, je sais que je pars sur 2 ans, 1 an et demi, 2 ans de travail, où c'est tous les jours et où... je serai seule, c'est aussi ça la différence, c'est que la musique, c'est quelque chose de collectif. Je contrôle vraiment le tout, chaque mot, chaque virgule, chaque pause est contrôlée, et que dans la musique, c'est des collaborations, parce que je ne suis pas capable de tout faire. Donc c'est quand même très très différent, c'est une entreprise très différente. Ici, pour la petite communiste qui ne souriait jamais, il y a eu, pour moi, la grosse difficulté, ça a été d'avoir tout ce réel, finalement, que je voulais respecter historiquement, c'est-à-dire que tous les événements, toutes les dates sont vraies, mais le reste est absolument imaginaire, c'est-à-dire le dialogue de la narratrice et de la gymnaste qui commentent chaque événement, finalement, c'est comme mettre en scène mes propres doutes face au personnage. Et ça, la difficulté, en fait, était d'avoir cette énorme partie de documentation et puis de tout oublier pour pouvoir passer à l'imaginaire, ce qui m'a mis un certain temps. Et j'ai d'abord écrit une version pendant 5-6 mois et puis j'ai tout jeté parce que je me suis rendu compte que je faisais fausse route, c'était pas le bon ton, c'était beaucoup trop lourd, c'était beaucoup trop lent. Il fallait écrire comme le corps de Nadia Comaneci, il fallait être acéré, il fallait être rapide, il fallait épouser la forme du sujet. Ce qui est intéressant pour moi, c'est de pouvoir aussi défaire les idées toutes faites
par rapport aux anciens pays de l'Est et de me tenir vraiment en équilibre, c'est-à-dire de ne pas donner d'opinion. J'ai essayé d'être vraiment, vraiment sur un équilibre entre, effectivement, à l'Est, certaines choses se passaient comme ça. En même temps, cette petite communiste à qui toutes les petites filles de l'Ouest ont voulu ressembler était le produit de ce système-là. Et il y a eu aussi des choses qui étaient intéressantes. Et c'est très délicat de tenir cet équilibre sans nier les trucs terribles qu'il y a eu. Mais c'était ça mon travail aussi. De relativiser les deux, toutes les idées toutes faites qu'on a sur ces pays-là. Et puis de toute façon, malheureusement, ce qui est intéressant, c'est que ce soit le communisme ou le libéralisme, ils se sont rejoints dans leur façon de faire d'elle un objet.